Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle revue lecture. Au programme, pas de manga, seulement du comics avec 3 titres. On commence sans plus attendre avec Superman Rebirth tome 6, le dernier tome pour la série, avec au scénario Peter Tomasi et Patrick Gleason en grande partie. Après, il y a aussi James Robinson qui va être sur le titre pendant 2 ou 3 numéros. Et pour les dessins, on a Patrick Gleason, Doug Mankiw, Ed Benes en majeure partie. Il y a d'autres dessinateurs, mais j'en parlerai plus précisément quand je parlerai de leurs numéros en particulier dans la review. Mais voilà, un tome personnellement qui m'a un peu déçu, parce que je l'ai trouvé pas aussi excellent que pourrait l'être un dernier tome pour une série quand même, parce qu'on se retrouve avec des arcs pas très ambitieux ou épiques en fait, on se retrouve avec des petites histoires sympas, comme ça peut être le cas en fait tout le long de la série Superman, mais c'est un peu dommage de se retrouver avec ce type d'histoire pour le dernier tome, je trouve personnellement. Dans ce tome, vous avez les deux arcs principaux qui sont Imperius Lex et l'arc sur Bizarro, que j'ai trouvé sympa mais pas non plus mémorable. D'autant qu'à chaque fois, ce qui est un peu dommage, c'est que les arcs sont jamais dessinés entièrement par un seul et même dessinateur. C'est plutôt dommage, quoi, parce qu'en plus, les arcs sont pas très très grands. À chaque fois, c'est des arcs de 3 voire 4 numéros. Donc c'est assez relou à chaque fois de se retrouver avec différents dessinateurs sur un seul et même arc. Parce que, encore une fois, c'est surtout des dessinateurs que j'aime beaucoup, que ce soit Doug Mankiw ou Patrick Gleason. Donc à chaque fois, voir que les différents arcs sont interrompus par d'autres dessinateurs, en général, où c'est même moins bien dessiné, c'est assez chiant et ça enlève un peu de cohérence artistique malheureusement. Et puis sur la qualité du scénario, même si c'est toujours sympa et la dynamique de la famille avec Superman et sa relation avec son fils John, c'est toujours super bien écrit et Tomasi et Gleason le font très très bien, notamment avec le numéro final de la série qui est super beau et vraiment très très beau dans le sens, il est bien raconté quoi. Et ça fait plaisir, d'autant que le dernier numéro, heureusement, est dessiné par Gleason, ce qui est une pure merveille. Mais voilà, passer ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de fois avec la série. Enfin, c'est un problème que j'ai eu beaucoup de fois avec la série, c'est que l'histoire en elle-même derrière ça est pas hyper palpitante et n'est pas non plus, comme je l'ai déjà dit, pas très ambitieuse, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas mauvais, je dis pas le contraire, mais c'est clair que je m'attendais à quelque chose d'aussi bien foutu que pour la série Batman et Robin, et moi j'ai pas ressenti ça tout le temps avec la série Superman. D'ailleurs, après, un autre point qui a rien à voir, c'est peut-être purement personnel, mais sur l'arc Bizarro, il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est cette écriture de tout mettre à l'envers. Du coup, c'est hyper mal, enfin c'est hyper désagréable à lire. Enfin, faut essayer de se tourner la phrase à l'envers dans la tête, et c'est assez chiant à lire, je trouve personnellement. Mais voilà, là c'est juste purement, je pense, personnel, peut-être que plein de gens n'ont pas ressenti ça, mais moi c'est un peu le ressenti que j'ai eu, donc ça a rendu la lecture un peu difficile par moment. Sinon, vous avez aussi quand même de très très bonnes choses hein, dans ce tome. Vous avez le court arc scénarisé par James Robinson que j'ai beaucoup aimé, dans lequel on va suivre John Kent et Superman qui vont essayer de sauver une planète proche de sa destruction, comme Krypton a pu l'être, que j'ai trouvé très très bon en termes d'écriture sur ces 3 numéros. 3 ou 2, j'ai un doute, je vais vérifier juste après, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des bons numéros. Et puis vous avez aussi le numéro final que j'ai déjà parlé qui est excellent, vous avez un numéro en milieu de tome, le numéro 39, qui est magnifique en termes d'écriture, je l'ai adoré, dans lequel Superman va rendre visite à des enfants malades dans un hôpital, et voilà, c'est une histoire toute simple pour le coup, mais qui fonctionne très très bien par sa beauté tout simplement. C'est juste magnifique de lire ce genre d'histoire, parce que on se rend compte aussi que ça peut être juste ça des fois, le super héros de rendre le sourire à certains enfants, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Le petit bémol, c'est que ce numéro, qui est à mon sens le plus beau sur le tome, est le numéro le moins intéressant graphiquement parlant. C'est un peu dommage, les dessins de Barry Kingston sont pas mauvais, mais bon, j'aurais préféré que ce numéro, par exemple, soit dessiné par Patrick Gleason, qui se fait vraiment trop rare sur la série. Petit bilan, un tome un peu décevant, surtout pour un dernier tome, je trouve, mais bon, qui reste quand même avec son lot de bonnes choses et son écriture d'une manière générale vraiment très très bonne par ce duo, donc Peter Tomasi, Patrick Gleason. Mais en tout cas, voilà, maintenant je suis très curieux de ce que va faire Brian Michael Bendis, qui arrive très très bientôt sur le personnage avec la série Clark Kent Superman, qui débarque chez nous le mois prochain. Une autre petite déception, c'est Batman Rebirth tome 7, scénarisé par Tom King et Tim Seeley,
Pour les dessins, on a Michael Hanin et d'autres artistes comme par exemple Brad Welker. Mais je parle plus en détail des autres dessinateurs juste après parce que je vais me concentrer donc sur le gros du tome, donc à savoir les numéros qui préparent le mariage entre Batman et Catwoman. Pourquoi c'est un peu décevant? Tout simplement, sur ce tome, on se retrouve qu'avec deux numéros de la série principale scénarisée par Tom King. Et bon, même si j'aime bien Tim Seeley, bon, c'est clairement pas aussi bon que ce que propose Tom King sur la série principale. Donc Tim Seeley se charge de scénariser les différents, les 4 numéros, 4 ou 5, je ne sais plus là encore. Faudrait vraiment que je prépare mieux ces vidéos, n'empêche. Mais voilà, donc il va scénariser ces courtes histoires pour préparer le mariage de Batman et Catwoman. C'est pas palpitant, c'est pas non plus c'est pas l'histoire qui va vous marquer, c'est juste là pour combler en attendant d'avoir le fameux numéro 50 dans lequel Batman et Catwoman vont devoir se marier. Ces 5 numéros donc qui vont préparer le mariage, on va retrouver à chaque fois un membre de la Bat Family qui va affronter un criminel connu du Batverse. Donc on va par exemple avoir un affrontement entre Batgirl et le Riddler. Vous avez aussi un affrontement entre Red Hood et Anarchy. Enfin bref, voilà. Le concept sur le papier peut être sympa, mais bon, dans l'exécution, encore une fois, c'est pas non plus très fou à suivre. Pour les dessins, je termine avec ça. C'est donc on a Brad Welker, on a aussi du Otto Schmidt, on a du Javier Fernandez. Bon, dans l'ensemble, c'est des bons dessinateurs. Mais encore une fois, on a donc 5 numéros et à chaque fois on change de dessinateur, c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas cette continuité graphique qu'on peut avoir par moment, donc c'est plutôt dommage. Et puis voilà, c'est vraiment sur ce point là que c'est décevant, parce qu'après en soi les dessins sont pas mauvais, du moins de là. Enfin voilà, Otto Schmidt c'est un très bon dessinateur, Javier Fernandez est vraiment bon aussi. Mais voilà, c'était ce fait de à chaque fois changer de dessinateur, c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu décevant de se retrouver avec ce genre de tome. On sent que c'est un tome pour patienter. Voilà, c'est vraiment un tome pour patienter. Heureusement, on a quand même dans la dernière partie deux numéros géniaux et exceptionnels, donc Batman 48 et 49, je crois, dessiné par Michael Hanin. Donc déjà pour la partie graphique, c'est à tomber par terre, c'est super beau. C'est deux numéros qui vont se passer dans une église, le Joker qui a pris plusieurs personnes en otage, il va très vite se débarrasser des différents otages, et il va y avoir une confrontation entre Batman et Joker, suivie d'une confrontation entre Catwoman et le Joker, que j'ai trouvé excellente en termes de dialogue. Tom King est toujours aussi remarquable, avec par exemple à certains moments cet humour noir du Joker qui fonctionne très bien. Et puis on se pose la question, est-ce que le Joker a réussi à semer le doute dans Catwoman pour ce qui concerne donc son mariage avec Batman? Voilà, pas mal d'interrogations, c'est hyper efficace et c'est superbement dessiné, donc heureusement on a ça pour conclure le tome. Et puis aussi, je vais pas parler du court épisode donc, qui vient de DC Nation, dessiné par Clayman, qui est super bien là aussi, donc il est scénarisé par Tom King. C'est super beau, et puis on a un Joker vraiment très effrayant et très bien écrit par Tom King. Pour terminer, on passe à Justice League No Justice, scénarisé par Scott Snyder, James Tienfort et Joshua Williamson, avec pour les dessins Francis Manapul et Riley Romso, qui va se charger du numéro 3 de la série. Donc No Justice, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est une mini-série en 4 numéros qui a pour but de préparer l'arrivée des prochaines séries Justice League, donc la série principale Justice League, Justice League Dark et Justice League Odyssey. En ce qui concerne l'histoire, donc on reprend après Batman Metal, la Justice League a affronté Barbatos, mais au cours de cet affrontement, ils ont détruit le mur de source, et de ce coup-là, ça laisse le champ libre à de nouvelles énergies, de nouvelles menaces de pouvoir passer ce mur. Et donc parmi ces menaces, on a les 4 titans Oméga qui vont faire leur apparition, qui s'apprêtent à détruire la planète natale de Brainiac. Pour empêcher ça, Brainiac va réunir tout un tas de personnages de l'univers DC pour former 4 ligues qui seront associées à 4 énergies importantes de l'univers, à savoir l'entropie, la sagesse, le mystère et le merveilleux. Et ces 4 énergies sont liées chacune à un titan en particulier. Et s'ils n'empêchent pas la destruction du monde natal de Brainiac, il faut savoir que les 4 titans se dirigeront vers une autre planète, à savoir la planète Terre. Donc voilà pour le pitch, j'en dis pas plus. Il va se passer quand même beaucoup de choses en 4 numéros, mais globalement, voilà ce que ça va donner. J'ai adoré, franchement, No Justice. C'est enfin un titre de Justice League que j'ai beaucoup aimé lire pour DC Rebirth, parce que jusqu'ici, c'était pas ça. Franchement, la série par Brian Hitch, c'était vraiment... c'était très moyen. Donc voilà, enfin, on a du bon Justice League, ça fait plaisir. On sent que les 3 scénaristes ont des choses derrière la tête, qu'ils ont un plan précis, qu'ils ont une histoire à raconter.
Voilà, je suis très curieux de voir la suite. En ce qui concerne No Justice en lui-même, c'est du très bon. J'ai beaucoup aimé voir l'association de différents personnages, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il va y avoir 4 ligues qui vont devoir, qui vont être associées à une énergie en particulier. On a par exemple l'énergie de l'entropie avec la ligue que vous pouvez voir juste ici, avec Batman qui va s'associer à Lobo et Lex Luthor. Bon, je ne montre pas très bien Lex Luthor et Lobo. Donc voilà, ça donne forcément des situations plutôt marrantes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle va aussi teaser certains points qui vont être assez importants dans le futur des différentes séries, notamment Wonder Woman qui va être lié à tout ce qui est côté magique, etc. En plus de faire partie de la série principale Justice League. Et puis pour la série principale, on va avoir aussi le personnage de Lex Luthor et Martian Manhunter qui vont être sur le devant de la scène, ce qui me fait beaucoup plaisir parce que Martian Manhunter, c'est un personnage que je trouve hyper intéressant, qui a un background super, mais que par exemple sur l'ère New 52, il a été quasi inexistant. On l'a vu un peu sur Justice League of America, mais voilà, qui se souvient un peu de cette série à part pour avoir teasé Forever Evil? Clairement, elle n'a pas servi à grand chose. Donc voilà, on sent que là, il va avoir une place de choix avec son rival Lex Luthor, enfin Lex Luthor qui sera pour le coup son rival durant cette série. Voilà, plein de choses. Après, côté action, il y en a plein dans ce tome, en veux-tu en voilà, et ça fait plaisir. C'est superbement illustré par Francis Manapul. Son découpage à Manapul est comme d'habitude absolument incroyable. Donc vraiment là-dessus, j'ai rien à dire, c'est irréprochable. Je vais un peu me répéter parce que j'ai encore parlé de ça, mais j'aurais juste aimé qu'il dessine les 4 numéros. Non pas que je n'aime pas Raimi Romso, même si c'est clairement moins bon que Manapul. J'aurais préféré avoir vraiment 4 numéros dessinés par Manapul pour avoir une continuité entre chaque numéro. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup répété dans la vidéo, donc j'en parle pas plus. Mais voilà, pour revenir à Manapul, c'est magnifique, il y a des doubles pages, c'est juste magnifique, c'est à tomber. J'aime beaucoup les designs des différents titans, donc les titans Omega. Voilà, il y a juste les tenues, je suis pas ultra fan, donc les tenues qu'ils vont devoir porter. Ça fait un peu Power Ranger quoi, mais bon, c'est juste pour le temps de 4 numéros. Mais voilà, en gros pour les dessins, c'est assez excellent et ça va à merveille pour le côté un peu blockbuster du titre avec son lot d'action et de baston. Donc là-dessus, j'ai rien à dire, c'est très très bon. Pour terminer, avant que j'oublie d'en parler, il y a aussi, comme pour le tome Batman Rebirth, vous avez au début 4-5 pages qui étaient présentes dans le DC Nation. Qui sont dessinés par Georges Jiménez, et là c'est une claque monumentale. C'est le dessinateur qui se chargera de la série Justice League, enfin il fera pas tous les numéros parce que c'est pareil, c'est une série qui sort 2 numéros par mois, mais ce sera un des dessinateurs principaux sur la série et il est juste incroyable et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il nous réserve sur Justice League parce que rien qu'en 5 pages il m'a mis une grosse claque, donc voilà, là-dessus je suis hyper impatient. Et puis je suis aussi très content, enfin très impatient de découvrir la série Justice League Dark, donc sur le tout ce qui est le côté magique et tout. Par contre pour la série Justice League Odyssey, Urban n'a pas l'air décidé à la publier, en tout cas pas dans l'immédiat, je sais pas si dans le futur ça sera le cas, mais voilà, en tout cas ça sera pas le cas pour l'instant chez nous. Mais bon, personnellement c'était celle qui m'intéressait la moins des trois, c'était clairement Justice League par Scott Snyder et George Jiménez. Et donc la série Justice League Dark par James Tynion et Alvaro Martinez qui m'intéressait énormément. Pour terminer, ce sera le petit point que je ferai à chaque vidéo, c'est tout simplement vous conseiller le comics à ne pas manquer ce mois-ci. Forcément c'est Justice League No Justice, bon je viens d'en parler donc j'en parle pas encore pendant plus longtemps. C'est du tout bon, du bon Justice League, allez-y, franchement vous n'allez pas être déçus. Et donc voilà, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un achat comics et info. Ou alors ce sera une review lecture, je n'ai pas bien en tête mon planning de vidéo, donc je ne sais pas bien. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, à plus tout le monde.